In Luik gaat de laatste hoogoven dicht. Jean-Marie is ter plaatse. Donc on est ici à Ougré, près de Liège, et on est près du haut fourneau. C'est le plus important outil de travail de la région, et il va fermer malheureusement mercredi. Et on va aller voir ce qui se passe tout près. Moi, je vais aller filmer le haut fourneau pour la dernière fois. Enfin, pour la première fois pour moi, mais j'espère que ce sera la dernière fois pour eux. Hein. C'est déjà comme dans un film ici. Un décor fabuleux. Et on n'a encore rien vu. Oula, on sent la chaleur. Et le four, il est où le grand four? Ah ben on va près du four. Vous me conduisez près du four. Voilà. Je peux vous avancer un peu. Je peux aller jusqu'où, monsieur? Monsieur, je peux aller jusqu'où? Avancez, si vous voulez. Si, mais je ne veux pas fondre. Tant que vous résistez à la chaleur, vous pouvez. Oui. Si vous voulez filmer maintenant, il va prendre une échantillon de température. On va tout près, on va tout. On peut passer, là? Non, on ne peut pas passer. Non, si, vous pouvez passer, mais vous ne pouvez pas rester. Ah non, alors je ne passe pas. Vous pouvez me dire quelle température elle fait? 1506. Et c'est une bonne température? C'est trop chaud. Alors comment vous faites pour refroidir? On ne refroidit pas, comment on va l'arrêter? Il faut qu'il reste chaud. Et c'est pas mauvais pour la santé de sentir ça toute la journée? Un petit peu. Vous n'avez pas un masque pour ça? Non, non, non. Non. C'est comme la fumée. Ouais. On peut vivre combien de temps à faire ce métier-là? Un collègue que vous connaissez, par exemple? Non, ça fait 30 ans que je suis ici. Je suis et vous avez une bonne santé? Voilà. Et vous travaillez depuis longtemps ici? 20 ans. En fait, il y a deux générations qui étaient ici. Il y a eu mon grand-père qui a commencé, puis j'ai eu mon papa. Parce qu'ils parlaient tellement de leur travail, ils aimaient bien, c'était une passion pour eux, et ça vous a donné l'envie d'y aller aussi. Et toi, gamin, je suis venu voir, oui, toi, gamin. Et vous avez été fasciné par le spectacle. Oui, voilà. Donc tous les gens sont tristes que ça va fermer en plus que les gens qui travaillent ici. Voilà, donc voilà, voilà. Toute la population est touchée, quoi. Oui, c'est, oui vraiment, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. Ça fait quelque chose. Même pour nous, on a. Moi, je réagis mal, la fermeture, tout ça. C'est dur. Vous, vous ne dormez plus, vous. Non, je mange plus. Vous n'avez plus envie de manger. Maintenant, c'est un débouchage normal, c'était pas trop spectaculaire, c'est normal, c'est bon. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ces petites étincelles, c'est quoi? De voir longer une longue flamme. Ça vous fait plaisir de le voir. Ah oui, ça c'est-à-dire que, comme on dirait, une personne digère et fait un vent, ben, c'est la même chose, il se dégage. Et c'est la preuve qu'il vit. Oui, c'est comme si le fourneau vivait. Voilà, pour moi, le fourneau est vide pour moi. Pour vous, c'est un peu votre famille, quoi. Oui, ça fait. En 3 générations, on est ici, et j'espère de continuer. Oui, mais on m'a dit qu'on fermait tout quand même. On sait jamais. On sait jamais.